honneur pour nous de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission Temps Fort. Salut et bienvenue à vous. Aujourd'hui, à travers notre première rubrique Expli, découvrons ensemble ça. Nathan Bumbabeya, c'est un jeune qui est de nature réservée, il est social, souriant, il est beau, hein? Dans tout, il est vraiment bon. C'est un homme travailleur, son problème, il n'aime pas qu'on le froisse. Si on le froisse, du moins il s'indigne. Alors, Nathan Bumba, du moins attention, il ne garde pas rancune, mais pourtant il est conciliant. Oui, quant à Gloria Bell, d'une taille convenable. C'est une femme abordable, souriante aussi, elle est travailleuse. Surtout, on l'a remarqué quand sa sœur s'est mariée, elle était restée la seule. Elle a beaucoup aidé ses parents, surtout dans les travaux ménagers. Donc nous espérons qu'elle sera une bonne épouse pour Nathan. En plus de ça, ce que j'ai remarqué chez Gloria, comme je la connais, elle ne cache pas ses sentiments. Elle est vraiment ouverte et très conciliante. Et elle écoute vraiment les conseils. Et en plus, elle réagit favorablement. Elle n'aime pas les problèmes avec les autres. Comme conseil, nous leur demandons d'utiliser leur qualité précitée pour se compléter en cas de problème. Parce que dans le mariage, le problème ne manque pas. Et surtout, ne devez pas oublier les deux comprimés que je vais leur donner. Les deux comprimés, là, il s'agit de l'amour ainsi que le pardon. La Bible même dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Et quand il y a l'amour, on essaie un peu d'oublier. Et la vie continue. Et qu'est-ce qui intervient après? C'est le deuxième comprimé, le pardon. On pardonne, on oublie. Donc, toujours rester conciliant. Ce que nous leur demandons aussi, c'est de faire de leur maison un asile d'hospitalité. Et surtout, valoir les cultes de Jéhovah, surtout avec les enfants à naître, que les cultes de Jéhovah soient au-dessus de tout. S'ils font cela, ils vont préparer dès maintenant leur bonheur éternel. Ce que nous disons à ces couples, c'est longue vie au couple Nathan. En fait, je les ai connus trop jeunes, l'un comme l'autre. Et j'ai vu comment leur amour a commencé. Donc, je vous l'ai dit par là, lorsque les sentiments amoureux commençaient à vibrer d'un côté comme de l'autre, et nous avons été toujours là pour conseiller, et guider, étant que jeune, que ce soit Gloria ou Nathan. Et comme vous l'avez remarqué, et voici que Jéhovah a béni, et nous sommes là en train de se réjouir. Moi, j'ai connu Gloria et Nathan dans l'assemblée locale dans laquelle j'étais. On a passé de très bons moments ensemble. Je connais Gloria comme étant une fille très gentille, très joviale et aussi très intelligente. Une fille très spirituelle aussi. J'appréciais beaucoup ses commentaires lors des réunions dans l'Assemblée. Et pour Nathan aussi, Nathan c'est comme un petit frère aussi pour moi. C'est aussi un garçon très calme et très sage. Et aussi c'est l'espoir de toute une famille. Et tout ce que moi je peux leur souhaiter, c'est beaucoup de bonheur, une très longue vie. Ensemble, une longue vie pleine de bonheur, plein de succès. Bon, comme ma femme vient de le dire, moi aussi de mon côté, je leur souhaite que du bonheur. Que Jéhovah soit au centre de cette relation que nous allons maintenant festoyer. C'est cela mon souhait le plus ardent. Surtout nous leur souhaitons d'avoir beaucoup d'enfants. Pourquoi pas 10? Ah voilà, voilà, très très bien, très bien. Comme on dit chez nous, ce qui mouninga bali sepela. Nous avons suivi les proches de mariés qui nous ont parlé à travers notre première rubrique. Exclu, maintenant, découvrons le choix. Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Yeah, messing with my medulla. I can't talk alone. Oh no, no. Bonsoir à tous. Je suis Bumbabeya Nathan, tel est mon nom complet. Fils de papa Munda Kufika Jonathan et de maman Ilungambi Di Rachel.
Je suis issu d'une famille de 5 enfants, dont je suis l'aîné, le seul garçon. Bon, affaire plate préférée, en tout cas, je suis fan de Poso. Hein? Ngula Otumba, ton nom là, vraiment avec du chikwang, je vous assure que c'est waouh pour moi. Mes couleurs préférées, je suis fan de la couleur blanche, ajoutée un peu avec de la couleur bleu de nuit, ça me fait du bien. Je suis ingénieur civil de formation et de profession. Salut à tous. Je réponds au nom de Tumba Mukuna Gloria. Je suis née le 17 octobre d'une certaine année. Comme Nathan, je suis aussi née d'une famille de 5 enfants, dont je suis la quatrième. Alors mon père s'appelle Émile Mukuna. Ma mère s'appelle Mathilde Mukonkole. Je suis née d'une famille témoin de Jéhovah, dont je suis aussi témoin de Jéhovah. Hormis ça, je suis dans la vie de tous les jours. Je suis couturière, voilà ma profession. Ma couleur préférée, j'aime bien le rose saumon. Ça vraiment, j'aime. Et pour la bouffe à manger, j'aime manger le foufou et le pondou. Na Thompson a 18 plus wana, hein? Ma calme, on peut bien. Là, je suis fan en tout cas. Loba. Déjà, je suis une précision, je suis témoin de Jéhovah et issu d'une famille chrétienne aussi témoin de Jéhovah. Pour la première fois que j'ai vu Gloria, c'était dans une salle de Rome témoin de Jéhovah. L'assemblée de Kintambo, Jamaïque, dans la commune de Kintambo, quartier Nganda. Donc, c'est depuis toujours que je lui ai vu, on a grandi ensemble, on se voyait toujours. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, et c'est toujours dans cette salle du royaume de Kintambo, Jamaïque. Gloria, pour dire vrai, elle a beaucoup de qualités. C'est une fille gentille, c'est une fille vraiment aimable. Elle fait preuve de miséricorde et surtout, elle est très belle, hein? Il ne faut pas l'oublier. Voilà. S'il faut écrire une lettre à Gloria, je vous assure que ça ne sera pas facile. Et vraiment, ça sera une affaire à dormir debout. Mais en bref, vraiment en résumé, Gloria, tu sais, elle est là au fond. Je t'ai toujours aimé et tu es une romaresse. Et je t'assure que même dans le futur, je t'aimerai toujours. C'est vrai que eux, c'est la Bible, ils ont mouté tes amakassi. Même la Bible reconnaît que ma tribulation, ils ont libosso pour n'abaro ou babali. Mais je t'assure que vraiment, je ferai un effort, pas on ferait un effort, personnellement déjà, de mon côté, je ferai un effort pour nous avoir vraiment l'homme qu'il faut. Grâce à Jéhovah, je veux bien que Jéhovah nous aide en tout cas, pour endurer ma problème avec Koya, ma tribulation, ma situation difficile. Et peu importe, vents et marées, que nous soyons toujours ensemble, puissions ensemble affronter les problèmes, que Jéhovah soit pour nous un troisième cordon, de sorte que tout endurer ma situation. Et c'est vrai que ça ne représente rien par rapport à une lettre, mais en résumé, c'est ce que je peux te dire. Et crois-moi, je prends le ciel pour témoin, je prends tous ces invités pour témoin, et je t'aime beaucoup. En fait, d'abord, on partage la même salle du royaume, et c'est un frère de l'ensemble. Alors, depuis longtemps, depuis l'enfance, on causait très bien. Et on a appris petit à petit, on s'est rapprochés, on a appris à se connaître, et voilà. C'est un frère qui aime Jéhovah. Nous partageons les mêmes croyances. Hormis ça, il a différentes qualités. Par exemple, il a l'humilité. En tout cas, cette qualité-là m'a beaucoup attirée chez lui. Il est aimable, il est gentil en fait, il est courtois, disons. Alors il y a beaucoup, beaucoup de choses que si je commence à étaler ici, ça sera tout un grand discours. Alors si je dois écrire une lettre pour Nathan, alors, je vais écrire dans peu de mots, je vais dire dans peu de mots. En fait, Nathan, mon unique amour, je t'aime énormément, je t'aime beaucoup. J'ai beaucoup prié Jéhovah de me donner un homme comme toi et voilà, il a répondu à mes prières. Alors je te promets que je serai la femme que tu as toujours aimée depuis et aussi que Jéhovah puisse toujours nous aider à ce que nous puissions toujours marcher dans ce droit chemin parce que comme on dit, sans Jéhovah, mon boulot,
Le couple Mbumba nous ont parlé de leur choix. Maintenant, vibrons avec temps fort. Aïla Tikaya la patrona, Gilda Sambendengefi, mon ami Gaël, Miloïdjo, Mia. Le meilleur, et donc le coïncide à toi à la boule. La vie soit pas bon mais ça n'a causé là. Tout changé, tout comme une abococo, Bobolanda. Baril y a pétrole, Achille Mungo, Chimène Motouari, Michel Mbungu PDG, Félicien Pambou, Fiston Evanja, Yohan Sibahi. César, Kouka, ouvre-toi. Oui, et Toka, PDG, Dragon de la Monnaie. Michael Mwanga, Lebo Ndaouba. Iya, Pedro Miranda, Testé Osenge, Gion, Yikwe, Ursus Moïla, Franck Amina, Jakumbae, Kina Bopeto, Gentini Ngobila. Et toujours, il s'appelle Espedas Okobina. La décembre, comme un saoudien. Premier ministre, Jessie Mokouyou. Wabinono Badiaman. Sergio Nicolas. Jules Thierry Mokoko. Julien Gatier Le Bender. Jessie Mokouyou, Wabinono Badiaman, Sergio Nicolas, Jules Thierry Mokoko, Julien Gatier Le Bender. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Sam Intégral de nous avoir aidés. Merci à Nana Kayambay, merci à Liskaka l'étoile, Liskaka le monteur qu'il faut. Merci encore une fois à tous ces mariés qui nous font confiance. Merci encore une fois à vous de nous avoir suivis. À très vite!